Grande première pour le football montpelliérain. Laurent Blanc, le milieu de terrain du MPSC, fera ses débuts ce soir avec l'équipe de France contre l'Eyre. C'est un aboutissement dans la jeune carrière de Blanc qui, paraît-il, garde la tête froide. À 23 ans, l'Alésien Laurent Blanc, un gaillard de 1m90, crève l'écran du football français. En ayant pris ma sélection, j'étais super motivé ce soir pour jouer au football. Et je pense que ça va me servir pour l'avenir. Le numéro 8 du MPSC est le meilleur buteur de son équipe. En 24 matchs, il a trouvé à 11 reprises les filets adverses. Samedi soir, contre Lens, il est devenu le troisième artificier du championnat de France. Je me dis, tu aurais pu en marquer quelques-uns de plus. Et là, je crois que ce soir, sans être prétentieux, je crois qu'un ou deux de plus, j'aurais pu le mettre facilement. Contre l'équipe nordiste, Blanc a été le meilleur élément montpelliérain. Il a sorti le MPSC de la grisaille. Fini les doutes. Dans la tête, ça va très bien. De toute façon, ça va très bien. Dans les jambes, ça va très bien aussi. Je crois que je n'ai pas reçu de coups ce soir. Et je crois que ce match m'a fait du bien physiquement. Parce que bon, c'est la reprise et pour certains joueurs, il manque encore un petit peu de compétition. Toujours rêve d'être sélectionné en équipe de France, ça a été mon cas. Maintenant, je suis dans un groupe et le plus dur commence pour moi, c'est-à-dire confirmer et convaincre les choix qui ont été faits sur moi. Une sélection, c'est toujours un plus pour un joueur. Donc je ne suis pas une exception, c'est un plus pour moi, il faut l'avouer. Formé à Montpellier, Blanc aura porté tous les maillots des Bleus, enlevant avec les espoirs le championnat d'Europe en 88. Ce soir à Dublin, Lolo, le footballeur discret, essaiera de séduire, il en a les moyens.